Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour. Alors, mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre de manière concise et précise, d'accord? Ok. Merci. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, en parlant du camp commando. Alors, peut-on, s'il vous plaît, Madame la greffière, afficher le document CIV OTP 0037-0468. Evidence Channel 1. Sur le pavé 1. Evidence 1. Alors, vous voyez l'image, monsieur? Oui. C'est la même image que l'on vous a montrée tout à l'heure et elle porte vos annotations. Vous le voyez? Oui. D'accord. Alors, vous connaissez bien les lieux et nous, non. Alors, je vais vous poser des questions pour essayer de mieux comprendre, d'accord? D'accord? Je suis d'accord. Parfait. Alors, on distingue. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où est le nord, où est le sud, l'est et l'ouest sur cette image? Écoutez, cette image, je ne peux pas parce que moi, je suis un natif. Pour orienter une carte, il me faut la boussole. Voilà, ben je ne sais pas. On me donner comme ça, je ne peux pas vous dire voir le nord, voir le sud. D'accord. Donc, votre réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que vous reconnaissez d'abord les lieux? Est-ce que, quand vous regardez l'image, vous voyez tout de suite, vous reconnaissez tout de suite les bâtiments, les routes, etc.? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la porte, l'entrée principale du camp? Les deux portes sont utilisées. Ils ont la même hauteur. Je ne sais pas s'il y a la porte principale ou pas. Elles se font face d'ailleurs même. Alors, monsieur, je vais peut-être demander au greffier de bien vouloir vous donner la possibilité de noter, si c'est possible, les... réponse, par exemple, les deux entrées, etc., etc. Ben, nous, on rentrait par... Attendez, monsieur, parce que l'huissier va vous donner la possibilité de noter ce que vous dites. Your honors. Monsieur Medelal, s'il vous plaît. Le président, que voulez-vous dire par enregistrer les réponses, noter les réponses? Monsieur McDonald, dit le président. Monsieur Témoin, ne parlez pas tout de suite. Attendez une minute. Monsieur McDonald, allez-y. Monsieur McDonald, j'aimerais clarifier une chose à propos des points cardinaux. Un de ces points est visible sur le document. Pour être juste avec le témoin et avec tout le monde dans le prétoire, peut se repérer ce point qui est indiqué sur la carte. Le président. Oui, pour être plus juste avec le témoin, c'est-à-dire le monsieur McDonald, le camp n'a pas été tourné sur lui-même. Hein, l'orientation est toujours la même. Le nord est toujours au même endroit. L'est, l'ouest, le nord et le sud, la réponse a été non. L'intervention contribue à donner des indications aux témoins. Je reprends, avec votre permission, Monsieur le Président, mes questions.
Alors, vous avez la possibilité de noter sur, sur la carte ce que vous allez me dire. Alors, vous me parlez de deux entrées, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez les noter? Je crois que vous venez de les noter, c'est ça? Ce sont les deux points rouges que l'on voit? Oui. D'accord. Est-ce que l'U... Est-ce que l'une des deux entrées était la grande entrée ou est-ce qu'elles étaient indifféremment utilisées? Bon, moi je ne sais pas comment là-bas on l'utilisait, mais quand nous on venait, c'était en opération. Donc, nous rentrions plutôt par là où j'ai mis... Alors, attendez, attendez, si vous voulez bien. Wait, what is this way? Because... Le présent, c'est quoi ce côté? Signed with more emphasis, I say. D'un côté avec plus côté gauche, quoi. Entrée à gauche, c'est ça quand on regarde l'image. En venant d'Agban, on est d'accord. On est d'accord. Oui. Ok. Vous arriviez par le bas de l'image ou vous arriviez par le haut de l'image pour entrer par là? Par le bas de l'image. D'accord. Donc vous remontiez l'image et vous tourniez à droite pour entrer dans le camp, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, Agban, c'est vers le bas de l'image. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est en bas de l'image ou pas, je ne sais pas. Parce que la carte que j'ai, je ne connais pas la carte. Je ne sais pas où l'Agban est situé là, mais c'est la carte du camp commando qui est en face de moi. Il peut être à Agban, peut être à, au nord ou bien à chose qu'on appelle l'Est. Bon, je ne sais pas. Je sais que on quittait vers le bas en montant. Mais vous nous avez dit que vous aviez reconnu l'entrée par laquelle vous arriviez. Oui. Bon. Donc, si vous vous souvenez de ce que vous faisiez à l'époque, vous voyez bien par où vous arrivez vers l'entrée, non? C'est trop difficile ou vous vous en souvenez? Je vois, je dis qu'on quitte le bas pour monter. D'accord. Donc, vous arrivez du bas? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est plus ou moins en ligne droite. De... I'm getting reprimanded. Je me fais réprimander, dit le président. Donc, est-ce que quand vous arriviez d'Agban vers le camp commando, c'était plus ou moins une ligne droite? Est-ce que l'on peut inférer du fait que vous arrivez du bas de la carte que Agban était dans le prolongement de ce que vous nous dites? Ou pas du tout, ou c'est trop compliqué? Le terrain même, je ne sais pas. Ce n'est pas une ligne droite. On ne peut pas se voir. Ce n'est pas une ligne droite tracée comme si on était au tableau. D'accord. Bon, mais en tout cas, cette route-là dont on parle, vous la connaissez? Cette route tombe sur le rond-point de la brigade de gendarmerie d'Abobo. Attendez. Alors, vous voulez dire que si on continue, si on, si on avance tout droit, on ne s'arrête pas, on laisse le camp, on ne s'arrête pas au camp, on continue tout droit, on va vers la brigade de gendarmerie d'Abobo, c'est ce que vous dites? Oui, oui. D'accord. Donc, pour le besoin de l'enregistrement, le témoin a dit oui. Brigade de gendarmerie d'Abobo, qui se trouve à un carrefour particulier? Oui, c'est un carrefour, un rond-point même. S'appelle comment? Nous, on appelle ça à Abidjan, rond-point de la gendarmerie. D'accord. Et si on continue encore, on arrive où? Toujours tout droit, en suivant cette route-là, on arrive où? En suivant cette route, tout droit, on arrive au rond-point de la gendarmerie.
Bon, vous pouvez aller à Niamey, vous pouvez aller à la mairie d'Abobo, continuer université, université, tomber sur Adjamé. Université en face d'Abobo, Adjamé en face de Fitissac, peut tomber à Adjamé. Ou bien vous pouvez passer vers la mairie, continuer comme ça, aller vers Samanké. Est-ce qu'on est loin de la mairie d'Abobo quand on est au camp commando? Par exemple, si je vous demande le temps en voiture de la porte, là, de l'entrée que vous avez mise en rouge, jusqu'à la mairie d'Abobo, ça fait quoi à peu près? En voiture? Il y a des obstacles, c'est-à-dire il y a beaucoup de voitures, ou bien en temps libre? En temps libre, ou bien quoi? Attendez. À pied, si c'est plus simple. Si c'est plus simple, à pied, combien de temps vous mettez? À pied, on peut mettre quelqu'un qui marche rapidement. On peut mettre 10 minutes, 10 à 15, on peut le mettre. D'accord. Voilà. D'accord, c'est très clair. Alors ensuite, nous avons une autre route qui est de l'autre côté. Regardez la carte. Oui, oui, je vois. Qui est de l'autre côté et qui est parallèle à la première, à celle dont on vient de parler. Vous la voyez? Parallèle. Parallèle, ça veut dire même direction. Oui. Oui. Donc, vous êtes d'accord, vous la voyez? Oui, je la vois. OK. Cette route-là, si on la continue tout droit vers le haut de la carte, on va où? Le haut de la carte. On va tomber sur Avenue Casa. D'accord. Et après, on continue encore? De l'avenue Casa, il y a du goudron, on peut aller vers la cité universitaire ou bien tourner vers la pharmacie, aller vers la pharmacie Matenin, contourner, sortir, on peut passer vers le camp commando ou bien continuer à aller au BC. D'accord. Alors, maintenant, si au lieu de monter vers le haut de la carte, on descend toujours cette route-là, hein. On descend vers le bas de la carte, on arrive où? Vers le bas de la carte. Si on descend, on va tomber sur une route qui passe devant l'église. Une église qui tombe sur la route, et puis elle ne continue plus. On peut continuer, mais devant là-bas, elle ne continue plus. Elle tombe sur une route qui passe devant une église que j'ignore. Bon, j'ignore. François Saint-Xavier, bien. Bon, c'est donc Saint-Xavier ou bien quelque chose là-bas. Oui, Saint-François-Xavier, merci. Merci. D'accord. Alors, quand on regarde le camp, maintenant on va regarder le camp. Oui. On aperçoit une délimitation entre le camp et entre l'intérieur du camp et l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors j'ai une question pour vous. Tout en bas du camp, on voit des maisons. Vous voyez des petites maisons avec des toits? Oui. Ces maisons, elles sont à l'intérieur du camp ou elles sont à l'extérieur du camp? Il y a une clôture qui ne laisse pas. Je n'ai pas saisi votre réponse, monsieur. Le camp même est clôturé. Le camp commando est clôturé. Il y a seulement deux grands bâtiments en étage. Alors, attendez. Attendez. Donc, on est bien d'accord. La ligne de maison, tout en bas de la carte, qui est dans le prolongement du camp, vous nous dites, ne fait pas partie du camp. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Et on voit tout autour du camp des maisons ou des bâtiments. Est-ce que ce sont des bâtiments, ou est-ce que certaines d'entre elles, ou certains d'entre eux, si ce sont des bâtiments, sont à étage? Autour du camp, hein, pas dans le camp. Je pense que il y en a en étage, il y en a
de Maison-Basse. Il y a la cité policière que je vois toujours au carrefour en haut là. C'est la cité policière. Et puis ici, en descendant, toujours pas en face de la porte, mais un peu en bas, avant d'arriver au carrefour, il y a un étage qui est là. Un étage. J'étais utilisé comme, je ne sais pas si c'était une clinique ou bien quelque chose là-bas. Voilà. D'accord. Alors, ma question, est-ce que pendant la crise, à votre connaissance, certains de ces bâtiments ou certaines de ces maisons ont été utilisés par des tireurs pour tirer sur le camp commando? Bon, ou quand moi j'ai été au camp commando, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Donc je ne sais pas, peut-être après moi ou bien, je ne sais pas. Depuis que j'ai fait mes missions, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Peut-être sur la route, si on dit que vous allez, est-ce que vous avez essayé de tirer? Je peux dire oui, parce que quand on partant, quand les premiers tirs, on commence à tirer tous. Voilà. Alors, pour que les choses soient claires, ce que vous nous dites là, pour qu'on comprenne bien, c'est que quand vous étiez au camp commando, il n'a pas été attaqué, ou est-ce que vous nous dites qu'il n'a jamais été attaqué à votre connaissance? Quand moi j'étais là-bas, oui. Le camp commando n'a jamais été. Quand je partais là-bas, une mission que j'ai effectuée là, n'a jamais été. Camp commando n'a jamais été attaqué. À ma connaissance, c'est la brigade. Attendez. Voilà. Attendez. Donc ça, c'est clair. Quand vous étiez là-bas, le camp commando n'a pas été attaqué. Mm-hmm. Mais vous avez dû parler à des confrères, à des collègues, à d'autres soldats qui étaient là à d'autres moments que vous. Est-ce que certains vous ont dit si le camp avait été attaqué quand vous n'étiez pas là? Bon, plus tard, après mon dernier passage là-bas, je pense que tout le monde a replié du camp commando. Tout le monde a replié du camp commando. Voilà. Alors, vous voulez dire qu'après votre dernier passage, le camp commando, les troupes qui étaient basées au camp commando se sont repliées? Oui, on ne pouvait plus avoir accès. Attendez. Et le camp a été abandonné, c'est ça que vous dites? Oui. D'accord. D'accord. C'était quand votre dernier passage? Là, je vous ai dit que je n'ai pas les dates. D'accord. J'ai dit ça ici. D'accord, d'accord. Juste pour la clarté de vos explications, j'ai cru comprendre, vous me dites, hein, monsieur, si j'ai bien compris, que quand vous nous racontez que vous avez vu tirer d'un mortier, un seul mortier a été utilisé, l'autre n'a pas été utilisé. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Mais je vous ai posé une question il y a quelques secondes, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que d'autres soldats militaires qui se trouvaient au camp commando à d'autres moments que vous, est-ce qu'ils vous ont raconté des attaques du camp commando, des attaques contre le camp commando? Au moment où j'étais là-bas? Non. Non, pas au moment où vous étiez là. On a compris ce que vous avez dit quand vous étiez là. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des attaques à d'autres moments, pas à ceux où vous étiez là? Bon, je pense que ils ont quitté le camp commando. Je pense qu'ils ont dit que c'était sur le fait de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils ont fui devant des attaques? Oui. D'accord. D'accord, bon, c'est clair. C'est tout à fait clair. Monsieur McDonald, s'il vous plaît. Objection. Le président, monsieur McDonald. Monsieur McDonald. La dernière question était une suggestion en utilisant le pluriel d'attaque. Ils auraient fui suite à des attaques. Or, dans sa réponse, le témoin n'a pas dit attaque. Il a dit suite à une attaque.
Donc, nous savons parfaitement ce que recherche mon contradicteur. Il ne trouve pas sa réponse et donc il essaie de l'attaquer par un autre angle. Si vous permettez, Monsieur le Président, il y a deux choses. Il y a l'objection et il y a le procès d'intention. Le procès d'intention est inutile et l'objection, je vais y répondre. Alors, procès d'intention, c'est facile. On peut faire dire ce qu'on veut à qui on veut. Sur l'objection, je vais reformuler parce que c'est un point important. Alors, je voudrais que les choses soient tout à fait claires. OK. Vous nous avez dit... Pardon. Yes, no, please do so. Merci. Allez-y, allez-y. Et reformulez, s'il vous plaît, afin que ce soit clair. Alors, je vais reprendre exactement ce que vous avez dit, monsieur, si vous permettez. Alors, vous avez dit, monsieur, c'est page 116 des transcrits français, et c'est à la ligne 13, ou 12. 12. Donc ça, c'est ce que vous avez dit, d'accord ? Je pense qu'ils ont, je cite, « Je pense qu'ils ont quitté le camp commando. Je pense qu'ils ont dit que c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando. » Alors, est-ce qu'il a... Alors, quand vous dites « ils ont quitté le camp commando », vous faites référence à qui ? Bon, tels les éléments, la gendarmerie, la police, les militaires qui allaient là-bas. Voilà. D'accord. Quand vous dites « ils ont quitté le camp commando », est-ce que vous voulez dire que tous ceux qui étaient là ont quitté le camp commando ? Oui, tous ceux qui étaient là. D'accord. Et quand vous dites « c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando », qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Bon, quand j'ai dit « sous l'effet de l'ennemi », ça veut dire qu'ils ne se sentaient pas peut-être capables de... la vie était menacée s'ils restaient les allant partir, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et en tout cas, ils sentaient qu'ils étaient faibles, ou bien je ne sais pas. C'est ça le fait de l'ennemi. Parce que si je suis plus fort que toi, ou bien tu es plus faible, tu peux dire bon, voilà, je suis. Voilà, c'est comme ça le fait. Il peut peut-être laisser la dissuasion. L'homme peut utiliser aussi la dissuasion, c'est ça qu'on appelle. Et puis ça peut être dissuadé. Bon. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé si à votre connaissance, il y avait des attaques quand vous n'étiez pas là, du camp commando. Vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant ? Vous avez répondu en parlant de la fuite des personnels qui s'y trouvaient, ça c'est clair. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques ? D'autres attaques, c'est-à-dire ? Bon, des moments où, les gens, ou d'autres ennemis, sans qu'on rentre dans qui est qui, des ennemis se sont mis à attaquer. Vous savez ce que c'est une attaque, non ? Oui, bien sûr. Bon, alors, si vous savez, est-ce que des ennemis ont attaqué le camp commando ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je n'y étais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. Finissons-nous à 4h ou à 4h30 ? À 4h. At 4. Okay. À 4 heures, dit le Président. Je vais utiliser mes quelques minutes. Oui, OK. Alors, vous-même, personnellement, est-ce que vous avez déjà utilisé un mortier de 120 mm ? L'utilisation, oui, je l'ai fait en exercice, en instruction. D'accord. Et hors instruction, hors exercice, dans un contexte réel, est-ce que vous avez déjà... Un contexte réel, non. Mais c'est le jour où on l'a mis en position
Au dépôt neuf, on ne l'a pas utilisé. On l'a simplement mis en batterie. On ne l'a pas utilisé. D'accord. Et en règle générale, s'il y a une règle générale, vous étiez plutôt, vous serviez plutôt quel matériel? Vous étiez plutôt affecté à un matériel particulier ou... Non, je vous ai dit, au bazar, on utilisait tout soldat. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, concernant les mortiers, oui. Vous avez été interrogé de manière tout à fait extensive par le présentant d'accusation. J'ai quelques questions complémentaires. De quel type d'explosifs sont faites les charges qui composent l'obus? Les charges? Oui. Il y a plusieurs de charges. Ça dépend de l'objectif qu'on veut tirer sur ça. Il y a plusieurs de charges. Alors, dites-nous les différentes charges, mais rapidement. Les charges. La charge, d'abord, la distance qu'on veut utiliser. Mm-hmm. Ça dépend de la distance qu'on veut tirer. Ça dépend de la charge. On peut utiliser la charge 1, la charge 2, la charge 3. Ça dépend. Alors, les attaches, c'est, si c'est 3 distances, on peut attacher 2 charges, 3 charges là-dessus. Ça fait 3 charges. C'est, sinon, c'est 1 comme ça. Et puis, on attache sur la queue de l'obus. Hmm. Voilà. Alors, je vous posais la question un peu différemment. Est-ce que vous savez de quel type d'explosifs sont faites les charges? Quel type d'explosif? Mmh. Non, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être du TNT? TNT. Il y a l'explosif incendiaire, ce qu'on connaît, l'explosif incendiaire. Il y a celle qu'on utilise pour éclairer. Éclairante. Bon, il y a plusieurs sortes. Hein? Ouais. D'accord. Alors, à propos de la charge elle-même, mm-hmm. Alors, vous me pardonnez, peut-être que ma question, qui est celle d'un néophyte, n'a pas grand sens. Ouais. Mais je vous la pose. Est-ce que les obus lancés par un mortier de 120 mm explosent à l'impact? Ou bien est-ce qu'il y a un système de retardement de l'explosion ou d'accélération de l'explosion? Ça dépend. C'est vous qui la réglez. Si vous voulez que ça explose au contact, vous pouvez. Si vous voulez que ça explose au contact, c'est-à-dire à une distance, ça dépend de vous. Ça dépend de l'objectif auquel vous voulez atteindre. Ça dépend et puis le résultat que vous voulez. Et comment vous réglez ça? Comment vous décidez de ça? Ça se calcule et puis par le graphicage, la distance, on mesure la distance par le graphicage. Voilà. D'accord. Avant que nous nous quittions, je voudrais savoir, si vous en souvenez, combien y avait-il de canons, combien y avait-il de 12-7 au bazar en état de marche pendant la crise? Bon, toutes les 12 qui étaient là-bas étaient en état de marche, mais je ne connais pas le nom exact. Mais il y en avait. Attendez. Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation? C'est-à-dire. Non, pas, je ne peux pas vous donner un chiffre parce que je n'ai jamais pris la peine d'avoir ça, l'idée de compter. Vous ne savez pas du tout? Non, je ne peux pas. D'accord. Les bitubes, vous savez combien il y en avait en état de marche? En état de marche, toutes les bitubes qui étaient là-bas, ils marchaient. Et il y en avait combien? Ben, je ne connais pas le nom. Toutes les 12-7 aussi marchaient, mais je ne connaissais pas le nom. Et les mortiers de 120 mm, il y en avait combien? Je ne connais pas le nom aussi. D'accord. I think we should stop here. Le président, je pense que nous pouvons nous arrêter. Monsieur McDonald, petite note pour le compte-rendu, s'il vous plaît. J'aimerais qu'il soit noté au compte-rendu que lorsque le témoin cherchait la réponse pour l'Église, c'est Monsieur Gbagbo qui lui a donné sa réponse, Saint-François-Xavier. Je voudrais juste que ce soit consigné au compte-rendu, juste au cas où. Le président, très bien, merci.
Nous allons donc lever la séance pour... et nous reprendrons demain à 9h30. Monsieur le témoin, vous pouvez aller vous reposer. Nous nous reverrons demain matin, 9h30, dans cette salle. Et la défense de Monsieur Gbagbo continuera ses questions, sera ensuite suivie par la défense de Monsieur Blégoudé. Merci beaucoup et à demain, 9h30.